Bonjour à tous. Donc je vais vous faire une petite conf du kernel, du debug, du GDB, de l'ASM. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'ASM dans les slides, bah, c'est perdu de base. La conf c'est L of kernel debugging. C'est pour montrer que débugger un kernel, quand le mec en face fait n'importe quoi, c'est pas facile. Donc je vais montrer des petites spécificités du X86 et ces choses-là. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit une conf ludique. Donc si vous avez des questions, si vous voulez voir un truc et tout, interrompez-moi. Ça sera plus intéressant que dire dans la slide machin, link truc de l'ASM machin, je comprends pas, 2 heures plus tard. Demandez sur place, c'est bon, c'est pas la mort. Que dire de plus avant de commencer? Rien de plus, non, ça me semble bien. Donc on va attaquer. Table des contents, donc ça pour l'instant non, vous verrez au fur et à mesure. Donc pourquoi déjà, à un moment j'ai voulu débugger du kernel et les gens veulent débugger du kernel. Moi de base c'est parce que j'ai été donc prof K pendant 2 ans. Donc débugger du kernel qui marche pas, j'en ai fait pas mal. Des gens qui disent, je comprends pas, ça reboot. Et toi t'es là et t'essayes de comprendre, en même temps que lui qui comprend pas. Donc je voulais entre autres aider les étudiants à comprendre et je voulais essayer m'aider moi-même pour pas passer 2 heures sur chaque personne qui avait un truc qui marchait pas. Donc je me suis dit à un moment, pourquoi pas essayer d'automatiser du debug kernel et de comprendre quelque chose. Alors truc intéressant, c'est que j'ai commencé à faire ça après le dernier cours de K de la deuxième année. Donc c'est quoi que j'ai fait, ça m'aura pas servi pour K. Bon, ça peut te servira peut-être aux autres plus tard, on verra bien. Donc comment j'ai voulu faire ça? J'aime bien Python, vous vous rendrez compte tout à l'heure. Donc je me suis dit que j'allais tenter l'API Python GDB. Donc je voulais faire juste un module Python pour GDB qui permet de faire à peu près n'importe quoi ou ce dont on a besoin. Donc fournir des commandes, fournir des hooks, des trucs automatiques qui t'aident, etc. Donc vous verrez un peu ce que j'ai, ce que je veux faire et ce que j'aurai peut-être un jour, si ça marche et si on m'aide. Donc voilà. Donc voilà les deux tools que je voulais utiliser, donc c'est GDB Python. C'est plutôt cool et je voulais aussi utiliser le SGEC du LSE parce que c'est un truc dont je reparlerai plus tard et qui est un projet aussi intéressant du LSE. Donc la Python GDB c'est quoi? C'est une API GDB pour Python. Donc ça permet en fait de tout ce que vous voulez faire dans votre GDB et bien plus de le tasser dans du Python, donc d'utiliser en plus la puissance de Python pour faire des trucs, etc. Il y a un moment où c'est quand même plus pratique que les scripts. Il y a des gens qui font des GDB init de 2000 lignes. C'est cool, ça marche, mais moi ça me fait chier. Enfin, il y a des langages de script qui sont faits pour et tout, des vrais langages, donc pourquoi pas les utiliser. Donc ça permet entre autres de créer des commandes, donc les commandes c'est toutes celles que vous connaissez comme X, etc. De créer des fonctions, donc c'est de créer des fonctions par exemple, c'est ce que vous pourrez appeler avec $ mon nom, entre parenthèses des arguments. Ça permet de créer des nouveaux types de breakpoints, c'est-à-dire de faire en sorte que quand il y a un breakpoint, on fasse quelque chose automatiquement et qu'on informe ou pas le user. Donc ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses magiques et invisibles derrière le user et c'est plutôt sympa. Et enfin exécuter n'importe quoi de GDB parce que quand même il y a un moment où c'est GDB. À côté, donc SGEG. Donc SGEG, c'est un projet de Franck Michéa, ici présent. Donc en fait, qui permet de mapper, donc il l'expliquerait mieux que moi, mais bon, ça permet en gros de mapper des datas sur des structs, et donc de faire de l'édition, de la vérification, c'est un truc plutôt adaptatif, c'est plutôt cool. Donc je suis le premier à vraiment m'en servir, à part lui, en non-dev sur un truc vraiment, donc ça m'a permis entre autres de regarder s'il y avait des bugs, m'en servir, voir si c'était utilisable, découvrir qu'il n'y avait pas de doc, donc que la doc c'était Qchou, ce qui est plutôt cool, hein. Au moins ça répond rapidement et je suis sûr de la trouver. Donc voilà, donc on va attaquer un peu le vif du sujet. Premier truc que je voulais faire, et alors ça on l'a fait aussi avec Corentin Derbois, je n'y ai pas là. On avait commencé à bosser sur ça parce que ça c'est un truc qui sert tout le temps. Donc pourquoi vouloir injecter de l'ASM dans un process qu'on débug? Parce que nous déjà, on voulait pouvoir bosser sur un stub de base. C'est-à-dire que GDB, il y a des stubs GDB pour faire du debug qui font des trucs, presque rien. Et on s'est dit, bon, on va se baser juste sur ça, comme ça on peut se foutre sur un QEMU ou un Bosch et faire ce qu'on veut. Et donc le truc, c'est qu'on va faire la plupart de la vie nous-mêmes directement en injectant de l'ASM, en récupérant des résultats dans le process, et pas plus compliqué que ça. Donc on va garder ça simple, hein, comme on a fait ça. On utilise NASM pour compiler le code qu'on veut injecter. Donc pourquoi NASM? Parce que la syntaxe ITL, c'est cool. On écrit le résultat dans la mémoire du process, donc c'est pas très compliqué. gdb.inferiors. C'est une fonction, l'appel, ça nous liste la liste des process qu'on débug, le premier, et puis on écrit dedans, on écrit à l'adresse qu'on veut, le code qu'on veut, et enfin après on va call le truc, donc on va pas se prendre la tête à monter nous-mêmes notre stack call, à faire IP machin et tout, il y a GDB qui fait ça très bien, donc call notre adresse et on y va, ça marche tout seul. Voilà, donc GDB execute qui est un truc qui sera très très utilisé dans l'API, qui permet juste d'exécuter une fonction GDB et soit de laisser le résultat s'imprimer tout seul, soit de récupérer le truc sous forme de string. Alors par contre c'est une string formatée donc c'est un peu dégueulasse à parser, mais bon ça se fait si on en a besoin quoi.
Donc la question c'est, est-ce que ça marche? C'est-à-dire qu'on a un truc qui permet d'injecter. Donc premier truc que j'ai testé c'est QEMU, parce que les gens aiment bien QEMU, c'est cool. Donc on exec en 32 de la SM, on fait un move ret 11, enfin move AX 11 ret, donc on veut juste retourner 11. On regarde, le résultat c'est 11, c'est pas mal. On fait pareil avec 42, c'est cool, ça marche. C'est génial, on peut injecter de la SM. Et puis on se dit que quand même il y a d'autres trucs que QEMU, donc on va essayer avec Bosch. Puis on essaye, pareil, move AX 11 ret, c'est bon, ça retourne 11, bon ça marche quoi. Move AX 42, on ret, ça retourne 11. What? Donc là on regarde, on se dit mais est-ce que je suis injecté du code? Donc on va désassembler, 80 000 c'est l'endroit où j'injecte mon code pour l'instant, c'est cool. On va regarder, on se dit, hey, il y a quoi à 80 000? Donc oui, il y a bien move AX 42, ret. Alors là tu refais un call, ça te renvoie 11, encore et encore, tu essayes n'importe quoi, quoi que tu mettes, ça te renvoie 11. C'est-à-dire que là je pourrais faire la vie avec des centaines de millilignes, ça renvoie 11. Le pourquoi? Alors, le pourquoi, j'en ai aucune idée, j'ai pas encore cherché. Si un jour j'ai rien à faire, j'irai lire Bosch et j'irai voir pourquoi, quand on est en debug et à ce moment-là seulement, si on injecte quelque chose et qu'on l'exécute, ça renverra toujours le résultat de la première exécution à cette adresse-là. Genre, voilà, c'est comme ça, c'est génial. Donc, ça marche sur n'importe quelle adresse, donc j'ai fait le bug, le fix bug le plus crade du monde, c'est qu'à chaque fois que je call, je fais plus 1. Et donc le premier exec, ça sera à 80 000, la deuxième à 80 001. Et un jour, peut-être que c'est pas vraiment le truc qui m'intéressait le plus. J'essaierai de voir pourquoi Bosch fait ça. Mais bon, voilà. Donc à partir de là, on peut injecter du code. On va commencer à faire des trucs rigolos. Donc je vais vous parler de segmentation. Donc ceux qui ont fait K, qui ont touché du kernel ou qui ont écouté les confs voient ce que c'est que la segmentation. Et ça permet juste, donc c'est pour avoir sa mémoire en flat, donc toujours en linéaire, mais pouvoir faire des décalages sur les adresses et des vérifications de limites. Par exemple, si on veut taper une adresse, bah, en fonction du segment dans lequel on se trouve, on va se déplacer par rapport à la base et on va vérifier qu'on ne dépasse pas la limite. Ça s'arrête là, c'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait, pour récupérer la GDT, il faut se baser sur un truc qui s'appelle le GDTR, donc le GDT Register, qui contient une base et une limite. À partir de là, on connaît où est, on sait où est notre GDT et sa taille, il n'y a plus qu'à l'allure en mémoire, pas plus compliqué que ça. Donc comment on récupère le GDTR? Donc là, je récupère juste la limite. Alors on a décidé un truc, c'est que quand on fait du call, comme ça, on a vu ça avec Corentin, quand on fait du call, soit on pouvait push le truc sur la stack et puis savoir où était la stack qui est récupérée, on s'est dit que c'était un peu crade et qu'en fait nous on fait vraiment que du renvoi sur EAX et on se base pas sur d'autres effets de bord au cas où. Donc là tout ce qu'on fait c'est qu'on met EAX à 0, on retire 6 parce que c'est la taille du GDTR, SGDT c'est ce qui va permettre de foutre le SGDTR sur la stack par rapport au SP là, on récupère la partie qui nous intéresse et puis on ret, c'est bon, on a notre limite. Pour avoir notre base, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on récupère donc 4 octets et on se décale de 2 avant de le récupérer. Une fois qu'on a ça, là on va attaquer avec du sgeg, et donc là c'est la structure sgeg qui permet de parser une entrée de la GDT. Que dire, c'est dégueulasse? Alors c'est dégueulasse surtout parce que la GDT dans Intel c'est dégueulasse, point. C'est pas la faute de sgeg de base. Donc tout ce qu'on peut dire là, c'est que pour faire une classe sgeg, on a besoin donc des modèles struct. Et après, si on a besoin d'int, bah on prend des int, on donne leur taille. Il y a des bitfields, c'est cool. Et voilà, donc ça a été la première grosse struct sgeg que j'ai utilisé moi. Ça nous a permis de nous rendre compte de plein de bugs un peu, enfin plein de bugs, de un ou deux bugs un peu louches sur lesquels on a un peu mindfuck avec Kuchou. C'était rigolo, ça fait du debug, c'est sympa. Truc cool avec sgeg, c'est qu'après, bah, une GDT, une fois qu'on connaît le nombre d'entrées qu'il y a dans notre GDT et notre GDT, bah, on dit juste qu'une GDT, c'est un tableau de la struct d'avant et ça marche tout seul, rien à faire. On map ça en 0, là c'est pour dire ça commence à 0 dans mes data et ça marche. Donc la GDT c'est cool, ça n'a pas pris plus de temps que ça, ça marche bien, ça permet de la print, ça permet après en plus, vu qu'on a une struct un peu intelligente, de l'utiliser pour n'importe quoi et ça marche vraiment bien. Donc ça c'est plutôt cool. Donc une fois qu'on a la GDT, on a la segmentation, on va pouvoir commencer à regarder si ça réagit bien par rapport à ce qu'on veut faire. Donc les segments selector, ça c'est le truc, c'est les index vers la GDT. Donc c'est quoi? C'est permet d'accéder donc aux data, à la stack et au code. Donc c'est des index chacun sur la GDT entrée. Le reste, les autres infos, pour l'instant on s'en fout. Donc le plus important, CS pour le code, SS pour la stack et DS pour les data. Donc on verra la plupart du temps quand on fait K ou qu'on se met, on dit ouais, il y a tout à zéro, c'est bon, ça marche. Et ben aujourd'hui on va voir un peu ce que ça fait s'il n'y a pas tout à zéro, c'est plutôt rigolo comme truc. Donc on va commencer un peu. Alors, un peu de fun avec les segments registers. Là, j'ai un move une valeur dans EBX et je lis à cette adresse dans EBX EDX et je fais pareil avec EBP, la même valeur, je lis. Ça ne fait pas la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez le coder, c'est cool, vous verrez dans votre Linux, ça fera la même chose. Le truc, c'est que là, on a avec EBX, en fait, on a un DS de point EDX. C'est-à-dire que ça va être en fonction de notre DS qu'on va avoir un décalage. Le deuxième EBP, ça va être par rapport à SS. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a une base à 0, l'autre une base à 1000. Vous allez lire à un décalage de 1000 les adresses différentes. Truc rigolo, c'est que GDB, on n'a rien à foutre.
De toute façon, il n'est pas au courant, la GDT, ça ne l'intéresse pas. Lui, il voit une valeur dans un registre. Quand vous lui dites X slash massin, si tu prends la valeur du registre, tu m'imprimes ce qu'il y a dedans. Donc si à un moment, là, vous avez, bah, ceux qui ont fait car, on peut s'en rendre compte, si à un moment, vous avez par exemple à DS une valeur qui n'est pas zéro, bah, vous verrez la mauvaise chose si vous essayez de lire. Donc voilà, donc c'est assez, ça paraît bizarre, mais voilà, c'est comme ça. C'est, ça dépend de vos registres, ça dépend de votre état, et c'est cool. Un peu plus de fun maintenant. Un truc cool, donc je vous ai dit qu'il y avait des limites sur les segments. Par exemple, si on prend DS, qui serait à une base à 0, une limite à 1000, et qu'on essaye de récupérer l'adresse à 4000, d'embauche, ça fait une General Protection Fault, ce qui est plutôt cool, c'est ce qu'on veut. Si on dépasse pas les segments, QMI, on n'a rien à foutre. Genre, vraiment rien à foutre. Ce qui veut dire que, par exemple, quand vous êtes en train de coder un kernel, vous pouvez simplement voir si vous êtes dans QMI ou pas. Vous prenez votre segment, vous le mettez à une limite de 1000, vous tapez à 10000. Si vous continuez à exécuter les instructions qui sont en dessous de façon normale, vous êtes dans QMU. Voilà, au moins un jour si vous les testez. Donc comme ça, on peut par exemple faire, ça c'est un truc que j'ai fait dans un coin, donc c'est une implémentation de strlen qui renvoie strlen ou 0 si QMU. Voilà, ça permet de, après, bien faire chier les gens, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc QMU c'est cool, mais là les limites ça marche pas. C'est bête. Encore un peu plus de trucs rigolos. Move EDX une valeur, on écrit 1000 à cette valeur, on réécrit 1000 à cette valeur. Est-ce que j'écris au même endroit ? La plupart du temps, oui. Sauf que dans notre cas, on n'écrit pas la même adresse, parce que la GDT, c'est rigolo, il y a des segments, on a des index dans ces segments. Si on modifie la base à un moment, c'est modifié dans DS, enfin par exemple le truc de DS, c'est modifié instantanément. C'est-à-dire que là, par exemple, si ce truc-là, dans DX, vous avez votre limite base de votre GDT, bah, votre segment il vient de faire un bond de 1000. Boum. Instantanément au moment de l'écriture. Donc ça, c'est plutôt cool, et ça permet d'écrire un peu n'importe où comme ça avec les mêmes adresses. C'est amusant, c'est rigolo, et le mec qui lit ça, il ne le voit pas. Hein. C'est-à-dire que si là, il n'y a pas marqué un symbole genre GDT entry machin, il ne le verra pas, il va falloir faire un peu de debug derrière pour voir pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi le programme ne fait pas ce qu'il devrait faire. Donc voilà, même adresse, là, d'un coup, de filet, c'est des destinations différentes. Donc c'est vrai que tout ça, on a vu que déjà, les bases, on peut faire des trucs bêtes. Là, on a bougé avec des data. Bon, les data, c'est cool, mais un truc qui m'amuse beaucoup plus, moi, c'est faire n'importe quoi avec le code. Ah, alors on va imaginer un truc tous ensemble, on va imaginer quatre fonctions. Funk 1 à 4, Funk 1 appelle Funk 2, qui appelle Funk 3, qui appelle Funk 4. C'est cool. On a monté une petite stack frame, enfin 4 petites stack frame. Funk 1, quand Funk 2 retourne, il retourne sur le symbole RET 1. Donc c'est juste l'adresse de retour de chaque fonction d'en dessous. Rien de plus, et Funk 4, il appelle une fonction qui s'appelle Trigger. Trigger, parce que c'est cool, Trigger. Trigger, ça fait un truc simple. Ça écrit une valeur, pour l'instant on verra un peu plus tard, à GDT plus 8 plus 2. GDT plus 8 plus 2, si vous regardez un peu, si on a un mapping à peu près normal, c'est bah, le limit load de votre CS, donc c'est plutôt cool. Et si à cet endroit-là, on écrit, alors secret f4.r4, c'est quoi? C'est l'adresse de truc là, moins l'adresse de retour sur laquelle on devait retourner. Donc là, vous faites le calcul et vous faites, alors, le red 4 plus le secret 4, ça veut dire que là, l'adresse que vous avez pour de vrai, c'est celle de la secret 4 sur votre stack. Alors je reprends un peu plus doucement. Tout ce qu'on fait, donc, c'est qu'on met, ça à jour dans le CS. Là, c'est pour mettre à jour le CS, c'est-à-dire que CS, c'est le seul qui n'est pas instantané et qui se fait par rapport à votre... qui se fait seulement sur un RETF. Et maintenant, donc, vous faites votre RETF, c'est cool. Votre RETF, donc, qui se fait à une adresse, on va dire 1000. C'est cool, 1000, c'est là, c'est au-dessus, c'est RET 4. Sauf que c'est 1000 plus la différence qui est là. Donc votre adresse de retour, il va RET ici, sur ce RET 4. Et là, vous venez de faire un RET qui n'était pas un vrai RET, mais qui était un call à une autre fonction. Cette fonction-là va refaire la même chose pour appeler celle d'en dessous. Et donc, vous êtes passé pour en aller à RET 1, RET 2, enfin Funk 1, Funk 2, Funk 3, et vous ressortez par secret 3, 4, 3, 2, 1, 0. Et ce qui est cool, c'est que EIP est toujours bon. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'histoire de j'ai modifié EIP et tout. Non, EIP n'a pas bougé, EIP est bon. Le truc qui est cool en plus, c'est que si la dernière, il remet CS à 0, bah, votre RET final, il est bon. Donc là, vous avez juste fait des RET cachés. Et donc voilà, c'est cool, c'est un peu orienté, return, voilà, tout ça, enfin, moi je dis ça. J'en dirai pas plus. Truc rigolo, c'est que comment ça réagit les breakpoints sur ça? Je mets un breakpoint sur secret 4, je lance, ça trigger pas. C'est bizarre, mais en fait, le stop de base de GDB qu'il y a par exemple dans QMU et Bosch, il arrive quand il se prend un sig trap, il regarde sa liste de breakpoints, il compare à UP, il fait « Hey !» Non, celui-là, je ne l'ai pas. Bon, bah, je laisse tomber. Et donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'il va le voir là, il va voir un sig trap, il va faire non, c'est pas dans mes UP que je connais. J'ai pas de breakpoint à ce IP-là. Bon, bah, je laisse tomber. Je passe. Et donc, vous pouvez mettre un breakpoint sur Secret 4. Vous ne le verrez jamais popper. Et moi, je me suis amusé à un truc dans mon coin, c'est que j'en ai mis un sur les 5, sur les 4, enfin, Secret 4, 3, 2, 1, etc. J'ai lancé mon truc. C'est cool, ça a break sur Secret 4.
Donc je me suis dit, c'est cool, en fait, les breakpoints, ça marche. Et en fait, non. Il a trigger, c'est le breakpoint de Socket 3 qui était l'EIP de Socket 4, de Socket 4. Et donc, en fait, il me disait, t'es là. Mais en fait, la première string était déjà print. C'est-à-dire que là, vous allez même trigger des breakpoints qui sont pas là. C'est absolument n'importe quoi. Pareil, quand vous voulez afficher le code, que vous voulez faire du disas et tout, il va se tromper. C'est-à-dire que là, si vous faites du disas et vous faites x/chi$EIP, bah votre GDB va vous faire c'est bon, t'arrêtes, c'est bon, t'arrêtes. C'est bizarre, t'arrêtes, mais t'as call là. Et là, il a perdu. Tout simplement. Donc, c'est plutôt rigolo, mais ça permet de faire absolument n'importe quoi, ce petit truc. Donc voilà, display code irate, breakpoint irate. C'est sympa. Alors, donc là, l'idée, c'était quoi? C'était de faire en sorte que maintenant qu'on puisse parser la GDT, on print les bonnes instructions. La question, c'est que ça se fait facilement. Le seul truc qu'il faut faire, c'est que CS, il y a un petit truc problématique, on va dire. C'est qu'il est complètement bufferisé et que, quand je dis ça, ça veut dire que là, je vous disais DS, on modifie la base, c'est pris en compte instantanément. CS, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le segment dans lequel vous bossez est sauvegardé. Et même si vous le modifiez, il ne va pas être modifié tant qu'il n'y a pas de LRET. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver en x86 dans un état où vous bossez avec CS sur un segment qui n'est plus en mémoire. Donc ça, quand vous breakez un endroit et que vous voulez savoir « mon CS, il fait quoi ?» Bah de base, si quelqu'un fait de la vraie merde, vous ne pouvez pas. Donc c'est un petit peu problématique. Là, c'est la question peut se poser de comment je fais si je fais du pas à pas et à chaque fois qu'il y a un RETF, je fais, ou je mets des breakpoints automatiques, ou je fais du step by step. Une personne pourrait me répondre, bah c'est simple, tu mets un watchpoint sur ta GDT. Alors c'est cool, sauf qu'on a dit qu'on était sur un stop de base, et un stop de base c'est rigolo, mais il n'y a pas de watchpoint. Donc quand vous faites ça, il fait quoi? Il fait du step by step. C'est-à-dire qu'il a fait une instruction, il regarde où ça tape, il se dit, j'ai un watchpoint? Oui, non. Et ça met beaucoup, beaucoup de temps. Et le but c'est vraiment d'éviter ça. Donc un des petits trucs à faire plus tard, ça serait de parser tout ton kernel, de faire, donc pour le CS tu vas pas pouvoir, mais des trucs genre LGDT, etc. C'est de break sur toutes les instructions un peu sensibles et de regarder ce qu'il a fait. Mais pour le CS, de toute façon, on a perdu, parce qu'à part faire un watchpoint comme fait GDB et se dire « là non, c'est pas possible ». Ça, c'est plutôt rigolo. Donc ça, là, t'es obligé de voir à quel moment le caca est fait et le faire. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va se baser sur autre chose. Donc on a fait pas mal de segmentation. Il y a l'IDT. Donc l'IDT, c'est quoi? C'est donc l'interrupt descriptor type. C'est plus ou moins un gros tableau de pointeur de fonction qui dit interruption 0, jump là, interruption machin, jump là, c'est cool. Le truc, c'est que c'est intéressant de faire du debug avec ça quand même, parce qu'à un moment, tu tapes une interruption, t'aimerais bien, plutôt une exception, parce que les interruptions, on s'en fiche, t'aimerais bien savoir pourquoi. Donc pour ça, le truc intéressant à faire, c'est de placer des breakpoints automatiques. Donc sur les 32 premières, pourquoi? Parce que les 32 premières, c'est les exceptions. Les exceptions, c'est tout ce que son CPU va lever parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Parce qu'on va dire que si tu les mets sur toute l'IDT et que t'en as un qui est sur ton horloge, te prendre un breakpoint à chaque claque d'horloge, tu t'en fous un peu, quoi. Ça fait plus chier qu'autre chose. Vous me dites si je suis en retard ou quand il me reste 5 minutes. Ok, d'accord, très bien. Donc voilà, donc le truc, c'est qu'on les fait sur les 32 premières. Ensuite, on va essayer, c'est cool, de récupérer les informations sur la stack. Parce que quand il y a une interruption, il y a des informations qui sont push. Donc les trucs de base, EIP de retour, ce qui est plutôt cool. Parce que par exemple, sur un div 0, bah, c'est l'instruction qui a généré le div 0, on la répète. Donc c'est plutôt cool de savoir où est-ce que ça a été causé. Le CS, bah ouais, parce que si on vient de Loserland, ça serait bien de savoir qu'on vient de Loserland et pas se tromper. Donc pour faire un peu de segmentation par derrière. Les IFLAG, pourquoi pas. Et truc rigolo, c'est le SP et le SS, parce que si on veut aller chercher des trucs et qu'on a changé de stack, en passant de stack userland à stack kernelland, il faut savoir de quel stack on vient, donc c'est là aussi. Donc avec tout ça, bah, c'est aussi basique que l'autre, quoi. On fout son IDT dans ce gag et puis on la parse. Ce truc-là, si on est motivé, on écrit la structeuse gag, on la parse et ça passe tout seul. Et à partir de là, on est plus ou moins capable de donner les erreurs de cause. Donc les erreurs les plus basiques, ça serait de dire, bon, bah, ton exception a eu lieu là. Et après, on peut faire des trucs intelligents en regardant autour de soi notre environnement x86 pour savoir à cause de quoi on a vraiment eu l'exception. Donc ça, je vous le dis, je ne l'ai pas encore fait. C'est-à-dire que pour l'instant, je dis juste, c'est là, et je ne dis pas forcément pourquoi. Mais déjà, le fait de dire, ton exception, c'est de ce tel type-là, elle a eu lieu là, ça aide. C'est pas mal. Donc, vite fait, Python, comment ça marche, GDB Python, poser un breakpoint. On crée notre nouveau type de breakpoint, on dit que c'est un breakpoint. Dans l'initiation, donc là, vous faites ce que vous voulez, c'est du Python. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'à un moment, bah, faut appeler votre super pour dire, bah, j'aimerais bien minit sur un vrai breakpoint à telle location, donc à tel endroit. Donc, c'est super, c'est une string en plus, c'est cool, c'est bien propre. Donc voilà, et après, on peut donner plus d'informations, on peut dire, c'est un watchpoint, c'est pas un watchpoint, etc., etc. Et ensuite, quand vous tapez dans le breakpoint, c'est cool, vous arrivez sur stop. Donc là, vous recevez votre objet dans lequel vous avez pu tasser n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez. Et truc plutôt intéressant, c'est que la valeur de retour est très importante dans stop. Si vous retournez true, ça veut dire, vas-y, laisse le user être au courant, laisse le debug. Donc ça fait un vrai breakpoint. Si vous envoyez false, ça va continuer, il va rien voir. Et donc ça permet de faire des trucs plutôt cool, ça, sur du debug plus ou moins visible.
Bon, dans ce cas-là, c'est plutôt bien de laisser le mec après gérer son exception lui-même, même si vous lui avez dit à quoi c'était lié. Mais bon, voilà, c'est un truc plutôt sympa, ça. Donc, oui, voilà. Donc, après, dans les trucs à faire... Ah oui, non, s'il y a un truc intéressant, c'est que là, on se base sur ça. Il y a un cas où ça marche pas bien, et ça, je l'ai pas encore fait, parce que c'est un cas, pour l'instant, qui m'intéresse pas. C'est dans le cas où votre idée, dans les 32 premières, il y a plusieurs exceptions qui sont pareilles, qui pointent sur le même truc. Parce que vous allez arriver à un endroit, genre une adresse, et là, vous pétez 4 breakpoints. Bah là, parce qu'il y a les 4 qui vont sauter, donc là, vous dites, mon exception, c'est peut-être la 0, la 6, la 7 ou la 13. Ah. Donc voilà, donc là, un peu utiliser son cerveau, je verrai ce que je ferai, je verrai comment je vais le gérer. Mais bon, déjà, de base, c'est pas une bonne idée de faire ça sur des exceptions qui t'intéressent. C'est-à-dire que mettre la 13, qui est General Protection et le Page Fault en même temps, faut éviter, quoi. Ça a pas de sens, mais... Oui, non, mais ça a pas de sens, mais il y a des gens qui aiment bien faire des trucs qui ont pas de sens. Enfin, c'est marqué dans les slides, un peu. Enfin bon, voilà. Sinon, dans les trucs à faire, ça, c'est le prochain truc que je fais, parce que c'est pas très dur. C'est que, dans le cas, enfin, pour ceux qu'on l'ont fait, ou voilà, c'est qu'on place notre GDT, c'est cool, après on place notre IDT, mais tous les gens qui ont des crashs au moment de la GTT, ça lève une exception. Là, le truc cherche l'IDT, il fait non. Bah, il en relève une, et là, il fait bah non. Et là, ça triple fault. Et le triple fault, c'est quoi? C'est un reboot. Et c'est le cas typique, on se retrouve avec une question qui fait ça reboot. Et que là, toi, t'es comme un con devant ton truc, qui va faire bon, bah, on va regarder ensemble. Donc, en fait, ça serait, ce qui serait intéressant de faire et qui n'est pas vraiment dur à faire, c'est carrément injecter une IDT. C'est-à-dire que tu lui fais tiens, bah ouais, bon, bah, je t'injecte une IDT, prends ça, débrouille-toi. Et on va se débrouiller pour débug avec ça. Donc, quand on est passé en 32, c'est facile. Quand on est passé en 16, là, c'est une autre histoire. C'est pas évident. Enfin bon, voilà. Et donc pour continuer après, donc voilà, ça c'est pour l'IDT. C'est plutôt rigolo. Après, il y a un truc rigolo, c'est que dans le cas, donc on a notre GDT, on a notre IDT. Je vais pas parler de tout ce qui est file system, etc. Ça, à voir, mais bon, un helper de file system, c'est pas forcément très intéressant. Il y a le userland. Donc le userland, c'est je change mon CS, je jump dans d'autres segments, j'y vais, c'est cool. Et là, ça casse pas mal de choses, oui. Parce que premier jump en Netherlands, là, tu te rends compte que, bah, quoi, toi, quand t'as fait ton injection SM, t'as pas pris en compte CS. Donc là, tu jump hors du. Avec un CS à 3 en ring 3, tu jump un peu n'importe où dans ton kernel. Il aime pas, genre vraiment pas. Donc là, tu te rends compte que ton call, il a le fail. Donc ça génère autre chose derrière, tu triple fault parce que t'as essayé de debug, c'est pas cool. Donc là, il y a 2-3 trucs à faire gaffe, donc faut faire attention au CS. C'est-à-dire que là, il va falloir refaire un passage en kernelland si tu veux exécuter du code, etc. C'est un peu long, un peu compliqué. Mais bon, ça se fait très bien. Hein. Et pareil pour les breakpoints, on a le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu poses un breakpoint en userland, naturellement, bah, s'il se base sur IP, t'as perdu. Donc l'idée, en fait, ça serait de se dire, si on veut être un peu crade, de poser 2 breakpoints. C'est-à-dire un breakpoint là où on veut s'arrêter et un breakpoint à l'IP de là où on veut s'arrêter. Sauf que bah, vous mettez un breakpoint sur du code, c'est cool. Le deuxième breakpoint, il peut être à peu près n'importe où. Et s'il tombe au milieu d'une instruction, ben un breakpoint c'est / xcc et ça peut pourrir un peu votre code. Et sur un stub de base, j'ai pas regardé plus que ça, faut que je vérifie, mais je suis pas sûr que tout ce qui est hardware des breakpoints ça soit vraiment en place quoi. Voilà, donc là t'as perdu aussi, c'est logique. Et donc voilà, donc là à vérifier, je sais pas encore comment on peut régler ce problème là et comment on va le régler. Mais bon, ça c'est un détail et c'est un truc plutôt rigolo à faire. On verra bien. Au pire, c'est dans le pire des cas, il faut changer un peu le stub, bah. C'est triste parce que c'est pas le but du truc, mais on peut toujours au pire changer le stub. Donc voilà, donc maintenant c'est cool, on peut débug la GDT. Donc ça c'est plutôt pratique pour un kernel de base quand on est en 32. On peut faire des trucs sympas, on peut débug l'IDT, ça c'est plutôt cool. Donc le userland c'est en cours et c'est rigolo. Et après dans les to-do, bah, y a les gens quand tu leur proposes « Hey, j'aimerais bien faire du debug kernel, tu me proposes quoi ?» T'as des gens qui sont un peu optimistes. Donc il y a des gens qui font « Hey, ça serait bien la pagination, ça on verra plus tard, genre vraiment. » Il y a des gens encore plus optimistes qui font « Hey, quand t'as la pagination, ça serait bien le unlink de task, de trouver tout seul les tasks, de break sur les tasks, de faire en sorte que quand on a changé de task, ça arrête de break et tout. » Et là, tu fais « On verra ça dans très longtemps. » Voilà, c'est genre pas du tout tout de suite. Voilà, donc il y en a qui vont essayer, je vais essayer, je vais avoir des problèmes. Mais moi, ça m'amuse, c'est cool. Le Python, c'est bien, la SM, c'est bien. Les deux ensemble, c'est vraiment cool. GDB Python, c'est cool. Et débugger du kernel, bah... de façon automatique, c'est toujours rigolo. Et j'espère voir un truc l'an prochain pour que les gens qui fassent K, bon, que je leur mâche pas le travail, mais qu'ils aient un peu moins de galère et qu'ils puissent faire ça sans prof, que les autres soient pas payés, quoi. Je sais pas du tout combien de temps j'ai pris, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, 5 minutes pour les questions, c'est cool. C'est une question concernant le CS, quand est-ce qu'il est mis à jour? T'as dit qu'il était mis à jour sur tout ce qui était LRAT et LJump? Plutôt que faire du step by step, tu peux pas juste mettre des breakpoints sur tous les LRAT et les LJump? Alors ça j'en ai parlé justement, c'est pas du tout encore fait, donc oui je suis d'accord, c'est le truc le plus intelligent à faire,
Et justement, le prochain truc à faire, c'est prendre toutes les fonctions, les 10 AS. Et justement, ce que je disais, c'est LGDT, enfin LGDT, ces bits-là, tout ce qui est mise à jour du CS, bien sûr qu'il faut le faire. Parce que voilà, mais si t'en rates un, t'as perdu de base, quoi. Oui. Bon, dans un vrai kernel, il y a peu de chances que le mec veuille offusquer son jump, etc. Mais en fait, le truc rigolo, c'est que comment j'en suis arrivé à tout ça de base. Bon, c'est cool, vu que j'ai 5 minutes, j'en parle. C'est où? Non, c'est pas là du tout. C'est que, bon, aider les étudiants cas, c'est cool, mais c'est pas ma passion non plus, quoi. Donc en fait, au début, je m'étais dit, je sais plus, j'en parlais à quelqu'un au LSE, je me disais, moi j'aime bien faire de la merde avec les rettes. Dans le kernel, il y a moyen de faire des trucs cool. Est-ce que ça peut marcher? Et je suis arrivé là, j'ai fait, ouais, ça marche. J'ai essayé de le débugger, j'ai pleuré. Genre vraiment, je me suis retrouvé avec GDB qui faisait plus rien, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à essayer de coder un truc un peu intelligent qui partait de la GDT, qui permettait de faire des breaks, etc., etc. Donc, j'ai pas encore les breaks, mais bon, ça viendra. Et c'est à partir de là qu'est venu le truc de faire un module qui permet de gérer vraiment la GDT, l'IDT et toutes ces bêtises-là pour un peu plus tard. Et voilà. Donc, touiller du CS, c'est rigolo.